Donc là, l'escalier avance bien, j'ai fini les marches, ici. Et donc, avant de commencer à faire le limon, là, ici, là, ma voûte, qui est là, elle va partir comme ça, jusque-là, pour après enchaîner sur la voûte de l'escalier suivant. Et donc, il faut que je me fasse un support à ce niveau-là, sur la solive qui tient l'escalier actuellement. Du coup, toujours, la solive qui est ici. Et du coup, ce que je vais faire finalement, je vais rajouter une poutre qui va faire cette forme-là, qui va faire tout le long, jusqu'ici. Tac. Et là, certainement, ici, là, il y aura un poteau qui va descendre jusqu'en bas d'escalier. Parce qu'en fait, ici, à ce niveau-là, il y a le mur, un énorme fruit. Si vous voulez, l'aplomb, il est à peu près comme ça, quoi. Il est 35 cm éloigné par rapport à la solive qui est ici. Donc là, certainement, à terme, je vais mettre un poteau qui lui sera d'aplomb, donc qui sera très peu épais ici, en fait qui sera très épais ici, et là il y aura du chauchant, de l'isolation, etc. plein de choses. Et ce poteau-là servira de coupure visuelle entre la partie salon qui est ici et la partie cage d'escalier qui sera là-bas. Alors, première mise en place de la poutre là, pour voir un peu ce que ça donne. Alors, c'est pas trop mal. Ici, du coup, là, il y aura la prochaine voûte qui va partir de l'escalier. Il y aura une brique là, pareil en deux voûtes, hop, qui vont partir. Et ici, là, je vais modifier un peu le dessin. Je vais faire venir les marches jusque là, je pense, pour les ouvrir directement sur l'autre escalier. Pour l'instant, c'est pas encore fixé. En fait, je vais corriger un peu parce que là j'ai un écart ici là que je vais combler. Alors que là ici, là on est bien gentil. Et aussi là il y a un petit trou ici là, petite épaisseur qui correspond en fait à la pâte ici là. Et du coup pareil, je vais raboter un peu ça pour mettre en place. Allez, c'est parti. Alors j'ai préparé ma poutre. Je l'ai retaillée 2-3 fois pour qu'elle soit bien calée. Là, ce que je vais faire, c'est que je mets du plâtre ici, comme ça, quand ça va venir s'écraser le long de l'escalier, ça va faire une bonne continuité. Et puis donc là, c'est la poutre qui va être là, et après, je viendrai visser tout ça. Allez, c'est parti!
Alors, continuation là de la voûte. Comme je vous ai montré précédemment, je vais repartir de par ici à peu près. Et je vais larger un peu l'escalier pour directement envoyer l'escalier suivant. Donc ici, je vais faire des petites marques pour mettre des pointes, comme ce que j'ai fait déjà pour la voûte précédente. Et voilà. Excellent. Et ben allons-y, hein. Je vais bourrer du pas trop là. Et je vais briquer celle-ci. Et après la deuxième voûte, tout comme ça. Donc là j'attends que le plat s'humidifie un petit peu. Et puis on va briquer là, ça, tout. Et après. Donc là je vais continuer, je vais finir la voûte. Et là ça va être assez intéressant puisque je vais coller la brique. Donc là elle va être collée sur le côté ici et juste un peu devant. Et comme la voûte ici, vous allez voir que ça tient très bien. Je vais mettre celle-là, je vais mettre le petit côté ici. Après je vais mettre la suite là et un petit triangle à la fin. Et ça va bien tenir, vous allez voir. Tant pis. Bah du coup vous voyez hein, ça tient assez vite. Même une brique comme ça qui est quasiment à l'horizontale sur un tiers ici. Donc là il y a 6 cm et là il y a 22 cm. Voilà quoi. Alors après c'est pas solide pour l'instant, là si j'appuie un grand coup, si je pousse un peu ça va venir. Mais dans l'idée, ah là c'est pas mal, je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans les canons. Alors, ça va bouger un peu. Là voilà, là du fait d'avoir ouvert les voûtes, on voit bien, ou d'avoir ouvert les briques, on voit bien voilà le plat, vous voyez comme il rentre ici là, vous voyez comme il rentre dans les canons.
Et en fait, là on le voit bien, là on le voit bien aussi, ici là. Et du coup, vous voyez, après là, c'est, ça fait pareil de l'autre côté, ça fait pareil de ce côté-là. Et du coup, ça fait une partie solide qui tient ensemble, quoi. Maintenant, je vais refaire la deuxième voûte, ici, tac tac tac, avec là un remplissage plate, pareil. Et après, je continuerai le limon. Et ça, je vais faire en photo. Alors, je suis arrivé de ma sieste. Je vais faire mon test de. Je sais pas si vous voulez. Je vais faire mon test de poids. Ce que j'ai juste fait. Là, j'ai rajouté une série de briques. Juste collées comme ça. Et j'ai commencé à monter mon limon. Là, on voit au départ, quand on va arriver ici, ça va monter un peu. Il va monter là. Puis après, il va monter là. Comme ça. Et je vais vous mettre là-haut, je pense que vous verrez mieux. Bon bah du coup test plutôt sympathique. Il y a 200-300 kg ici. Là il y a 200 kg. Et puis j'ai fait de l'ouverture dessous, enfin, dessus avec un sac de chaud. Donc moi je fais 75, je fais 25, 100. Donc 4, 6, 7. Franchement ça bouge pas d'un cachou. C'est même un peu bluffant. J'ai regardé un peu partout au niveau du bois, au niveau des angles. Ça n'a pas bougé quoi, c'est impeccable. Je sais pas trop si on voit, là je tiens un peu à l'arrache. J'ai pas de retour vidéo, alors je sais pas ce que je filme. Voilà, bon bah ça je vais laisser ça une journée. Comme ça demain je le range. Voir si ça bouge un peu la structure ou pas.